La congrégation Saint-Jean, fondée il y a moins de 50 ans, a aussi dévoilé dans son rapport interne la présence d'une quarantaine de prédateurs sexuels dans ses rangs. Et les très nombreuses agressions sexuelles commises par son fondateur, Marie-Dominique Philippe. Concernant la sœur Catherine Tiercelin, elle appartient à la communauté des Béatitudes, une congrégation qui aurait également des choses à se reprocher. C'est ce qu'expliquent Adrien Franck et Bernadette Sauvaget dans Libération. Ils ont rencontré d'anciens membres de cette communauté. Du côté de la Conférence des religieux et religieuses de France, on s'étonne du choix de la production de l'émission d'être allée vers ces deux communautés. La production, elle, se défend en expliquant vouloir mettre en avant la spiritualité et non pas des communautés. Mais elle réfléchit déjà à un autre lieu que Corbara en cas de deuxième saison.